Poulenc, c'est un des compositeurs qui, je dirais, accompagne ma vie de chanteuse lyrique. J'ai débuté avec Poulenc et certainement peut-être que je terminerai avec Poulenc. Poulenc est un de nos grands compositeurs français avec une écriture, une identité qui lui est propre, avec un humour très particulier, ça s'entend beaucoup dans l'orchestration, mais aussi un compositeur qui a une grande part de mystère finalement. I adore his music. I think it's some of the most talented and most brilliant harmonic writings of 20th century. Alors la musique de Poulenc, c'est vraiment une musique très exigeante, qui est presque comme un serpent qui s'insinue en vous parce que la ligne vocale est extrêmement, périlleuse. Ça monte, ça descend, il y a des intervalles qui ne sont pas évidents, il y a des notes aiguës qu'il faut obtenir tout de suite avec une certaine pureté, avec une certaine idée. I think that Poulenc's music is perfect combination of a little bit tongue-in-cheek kind of irony, or not so much of an irony. It's not irony. It's slightly making fun of the whole religious establishment. I think that, which doesn't mean that he's not sincere about it. But he always manages to take a most wonderful phrase or a movement and end it like ram-pum, with a little trombone glissando and a bit. It's like, oh, okay. As if he says, yep, if you believe this, that's your problem, you know? I think this music has beautiful, enormously beautiful melodic material, all the things that we are looking for in music, and it doesn't take itself too seriously.